Donc la morale est-elle une compétence de l'État? Non. L'État, il vise la sécurité. C'est l'idée du contrat social. D'où il vient l'État, en fait? Qu'est-ce qui vient de me faire chier les policiers? Ben, en fait, ils sont là parce que avant l'État, ben, c'était pire. T'imagines? Déjà, c'est pourri avec les policiers. Avant, c'était pire. La guerre civile. Bon. Donc avant, t'étais aussi fort que les policiers. Chacun était policier, en fait, de lui-même. Chacun se faisait justice à soi-même. Donc on avait moins de chances de subir une injustice pure et simple. Par exemple, de te faire abattre au volant d'une voiture alors que tu menaces personne, tu avais moins de chances. Mais tu avais plus de chances de te faire abattre par n'importe qui, en fait, à tout moment. Donc on visait la sécurité, et c'est pour ça qu'on a fait le contrat social. C'est pour vivre en sécurité. La sécurité, c'est quoi? Bah, c'est la renonciation à la violence. C'est l'absence de violence sur un territoire donné. L'ordre public. Le fondement de l'État, c'est ce besoin de sécurité. Voilà. Tout le reste, c'est secondaire. Et encore une fois, la preuve, c'est que si vous êtes menacé, il n'y a plus aucune loi que vous devez respecter. D'ailleurs, Hobbes y va jusqu'au bout et il dit même les criminels, c'est-à-dire c'est leur faute, les criminels qui sont menacés de mort par l'État lui-même, parce que les criminels, on va les poursuivre et on va éventuellement les condamner à mort. Ben, ces criminels, ils n'ont pas le devoir de respecter la loi. Même si c'est leur faute, même s'ils méritent la punition. Ils n'ont pas le devoir de se soumettre. Ils fuient, ils mentent, ils sont violents, ils résistent à la police, ils tuent la police. Ben oui, puisque la police veut leur mort. Ah oui, mais ils sont criminels, c'est leur faute. À partir du moment où il y a un risque de mort, il n'y a plus aucune loi qui n'est valable. Puisque la loi a pour fondement la protection de la vie. D'accord? C'est vraiment le fondement. D'accord? Bien. Maintenant, si on sort un peu du contrat social, on se rend compte qu'un État, ben, ça a trois fonctions régaliennes. C'est quoi ces trois fonctions? La vue, hein, la monnaie, la police, l'armée. Enfin, les affaires étrangères, disons. Les affaires étrangères, c'est-à-dire les relations avec les autres pays. Un État, ça a besoin de ça pour fonctionner. Ça possède ça. Tous les États, toutes les institutions qui sont souveraines, c'est-à-dire qui sont l'autorité suprême, c'est ça que ça veut dire, c'est ça l'État, hein, c'est l'autorité suprême, au-dessus, il n'y a rien. Au-dessus de Macron, il n'y a rien. Donc, contrat social et trois fonctions régaliennes. Hein, régalien, ça vient de roi, rex regis, en latin, le roi qui était l'État, hein, ou qui était symbole de l'État, hein, du souverain, personne du souverain. D'ailleurs, Hobbes, rappelez-vous, hein, il l'appelle le Léviathan. Le Léviathan, c'est quoi? Ben, c'est un personnage biblique, c'est un monstre horrible, hyper puissant. Il n'y a personne au-dessus, personne qui est plus fort que le Léviathan. Et ben, personne qui est plus fort que Macron. Même pas Poutine. On va dire, ah, Poutine, il a plus de bombes. C'est vrai qu'il a plus de bombes. Enfin, tu en balances 3000 bombes sur Paris, tu en balances une, c'est pareil. Voilà. Donc nous, on a moins de bombes. D'accord? On n'en a pas, je sais pas, ils en ont combien en Russie? Bon, on ne sait pas trop, mais des milliers. Nous, c'est plutôt des centaines. Mais bon, t'en envoies une sur Moscou, c'est terminé. Hein. Bon. Donc, conclusion de cette première entrée en matière, est-ce que la morale est la compétence de l'État? Non. La compétence de l'État, c'est la sécurité. Et cette sécurité, on l'a vu, elle passe par trois trucs essentiels. L'économie, c'est-à-dire l'argent, la richesse, l'ordre et la défense. Si vous avez du fric, s'il y a l'ordre dans les rues, et si vous n'êtes pas envahi par les Russes, considérez-vous heureux. Tout va bien. Bon, ben voilà, on a répondu à la question. Mais alors, c'est quoi la morale? Pourquoi on nous pose cette question au fond? Et ça, c'est une démarche que vous devez avoir face à tout sujet. Pourquoi est-ce qu'on me pose cette question? Le problème, il est là. C'est pourquoi on vous pose la question? Pas parce qu'elle se pose, pas pourquoi elle se pose. C'est quoi la morale? Merci, le bien et le mal. La morale, c'est la différence entre le bien et le mal. Mais c'est quoi le bien et le mal? D'accord. Donc par exemple, tu vas chez le dentiste, et c'est quelqu'un qui est vraiment méchant, le dentiste, parce qu'il fait mal. Pas le mal. Ah, c'est quoi la différence entre avoir mal et le mal? Parce qu'il y en a une, c'est une sensation, et l'autre, c'est... C'est quoi le bien et le mal? Bah, le mal, c'est nuire intentionnellement,
Et un dentiste peut vous nuire intentionnellement. Hein, par exemple, il vous flingue une dent pour vous ensuite vous la réparer. Donc il vous nuit, il vous flingue une dent. En plus, il vous fait payer pour un truc que vous n'avez pas besoin. Ça, c'est un classique. Hein. C'est comme les garagistes, hein, pareil. Ou les plombiers. Un plombier qui te flingue un truc pour se rendre nécessaire. Bon. Le mal, c'est nuire intentionnellement. Et vous pouvez nuire intentionnellement en faisant du bien. Hein. Par exemple, quelqu'un qui te donne de la drogue. Ça existe pour te rendre accro. Un mec qui te donne la drogue, te donne une petite pilule, te donne un petit sachet de poudre, je sais pas quoi, il dit tiens, essaye, gratos. C'est sur la maison, cadeau. Ben, il te fait du bien. Mais en fait, il veut te nuire à long terme. Ou du moins, il veut faire du profit sur quelque chose qui va te faire du mal. Bien. Donc, c'est pas ton mal qui est visé directement, mais il est nécessaire et c'est connu. Alors qu'il y a des gens qui peuvent te faire souffrir pour ton bien. Par exemple, tes parents. Hein ? Pourquoi on les déteste, les parents ? Parce qu'ils nous font chier, tout le temps. Presque tout le temps. Mais pour notre bien, normalement. Bon, c'est ça la différence entre le bien et le mal. Donc on va dire que c'est une différence individuelle. Ça concerne l'individu. Rappelez-vous, c'est une intention. L'État, il n'a pas d'intention. Les individus ont des intentions. L'État, il a des fonctions. Fonctions régaliennes, fonctions d'État-providence. On peut élargir le domaine de compétences de l'État, mais c'est toujours pas des intentions, c'est des fonctions. Alors pour avoir des individus qui ont un pouvoir politique et qui s'en servent, qui ont des intentions pour eux-mêmes, ce qu'on appelle la corruption, c'est ce qu'on appelle la prévarication, c'est ce qu'on appelle la simonie. Enfin, il y a plein de termes pour dire ça, pour dire profiter d'une position de pouvoir pour son intérêt personnel. Le mot le plus classique, c'est corruption. Mais c'est des individus. Donc la morale est au niveau individuel. Que ce soit les gens comme vous et moi, les gens, les péquenauds, hein, que ce soit les gens au pouvoir, les gens qui participent au pouvoir d'État, mais qui peuvent être corrompus et donc avoir des intentions mauvaises. Mais ce n'est pas en tant que personne d'État, c'est en tant qu'individu. Par exemple, le policier qui a tué Naël, c'est en tant qu'individu qui va être jugé. Ce n'est pas en tant que policier. Individu qui a une intention mauvaise, hein, qui a fauté. Ce n'est pas le policier. Il y a une autre histoire qui s'est passée à Nantes, je crois, où il y avait une soirée sur un quai comme ça, et il y a eu l'ordre d'une évacuation qui était une mauvaise décision, puisqu'il faisait nuit, les gens étaient bourrés, on était près de l'eau, il y a quelqu'un qui est mort. Et donc là, c'est la personne en tant que policier, c'est pas la personne en tant qu'individu qui a été jugé, c'est la personne en tant que policier. Donc c'est celui qui est responsable, à savoir le commissaire. C'est pas le policier qui était sur place, qui a lancé des fumigènes, etc. C'est le policier qui a pris la décision. Il est jugé en tant que policier. Ce n'est pas une question morale. C'est une question politique. Ce policier a pris une mauvaise décision en tant que policier et jugé en tant que policier pour sa responsabilité. Il va avoir des sanctions administratives. Donc le bien et le mal, ça appartient aux individus. Ce n'est pas l'État. L'État, il peut faire le mal. Par exemple, il peut tuer des gens. Ça s'appelle les opérations homo. Ce n'est pas contre les homosexuels. C'est quoi une opération homo ? Une opération homo, et ça c'est Hollande qui l'a révélé, et ça lui a été reproché d'ailleurs. Opération homo, c'est quoi ? C'est le président qui dit à ses services spéciaux, vous allez tuer ce mec-là. Ah mais pourquoi ? Mais ferme ta gueule, en fait. Tu vas buter ce mec-là, et c'est tout, ce que je te demande. Opération homo, homo ça veut dire quoi ? C'est homicide. Donc le président, il a le droit de vie et de mort. Donc c'est mal de tuer. Il n'est pas menacé dans sa vie. Il a le droit de tuer. Pourquoi il a le droit de tuer ? Pour le bien de l'État. Le bien de l'État. Et celui qui dit ça, c'est pas Hobbes. Celui qui dit ça, c'est Machiavel. Qu'est-ce qu'il dit Machiavel ? Il dit le prince, enfin le souverain, il peut faire ce qu'il veut. C'est le Léviathan, il n'a personne au-dessus de lui. Donc il peut faire ce qu'il veut. Alors, il peut faire ce qu'il veut en tant qu'individu. Dans ce cas, c'est un tyran. Et au fond, c'est en tant qu'individu qu'il est immoral, et il faut le punir. De ce point de vue-là, du point de vue moral. Mais le souverain, il peut faire ce qu'il veut en tant que souverain. Imaginons, on a un mec qui menace les intérêts de l'État. Un mec qui menace sérieusement les intérêts de l'État. Par sa connaissance, par ses réseaux, par ses armements, par... Et il n'y a pas d'autre moyen de le neutraliser que le tuer. Donc il faut le tuer. Il faut le tuer. Le souverain a le devoir, en tant que souverain. Peut-être en tant qu'individu, il n'a pas envie. En tant qu'individu, il dit, bah, cette personne-là, elle a beau avoir de mauvaises intentions, d'ailleurs... D'abord, elle n'a rien fait, là, pour le moment, elle n'a rien fait, donc je ne peux pas la punir si elle n'a encore rien fait. Et puis, en tant qu'individu, moi, je ne suis pas pour la peine de mort, je suis pour aller discuter avec lui, etc.
en tant qu'individu. Mais en tant que souverain, si vous savez que cette personne, elle est dangereuse pour l'État, vous avez le devoir de l'éliminer. Donc, pour Machiavel, tout est permis au souverain. Le souverain, il peut faire les choses les pires. Il peut tuer, il peut trahir, il peut voler, il peut faire ce qu'il veut. En tant que souverain. Pour le bien de l'État, bien sûr. Pas pour lui, personnellement. S'il tue, il viole, il pille, il ment, pour lui, personnellement, c'est un problème moral. C'est un problème d'abus de pouvoir. Mais en tant que souverain, il peut faire ce qu'il veut. D'où l'immunité. On ne peut pas parler de l'immunité. Par exemple, Trump, il dit, attendez, moi, en tant que président, vous ne pouvez rien me faire. En tant que président. En tant que président. Donc, tout ce que j'ai fait dans mon mandat de président, vous ne pouvez rien faire contre moi. Pourquoi ? Parce que je fais ce que je veux en tant que président. Évidemment, c'est ce qu'il veut en tant que président. Parce que c'est quoi l'option inverse ? C'est que vous avez un petit juge de merde, de périgueux, qui va commencer à faire chier Macron. Ah, moi, j'estime, moi, petit juge de périgueux, j'ai élu par personne. J'ai juste un bac plus 5. Bon. Moi, j'estime que Macron, tu ne dois pas faire ça. Donc, en fait, c'est le juge qui gouverne la France. C'est le juge qui décide ce qui est possible, pas possible pour la France. Non. No way. Donc, Macron, il fait ce qu'il veut. Okay ? Immunité présidentielle. Le président, le souverain, il peut faire ce qu'il veut au nom de l'État. Vous me suivez ? Donc, le bien, le mal, c'est individuel. Ça ne concerne pas le souverain. Le souverain, il peut faire les pires atrocités pour le bien de l'État. Parce que le bien de l'État, c'est 70 millions de personnes. D'accord ? C'est pas une personne. C'est pas un pauvre mec avec ses petites bombes qui dit « Ah, moi, je vais faire un attentat ou je vais faire je sais pas quoi. » C'est 70 millions de personnes. Quand vous devez... Vous avez la responsabilité de 70 millions de personnes. Une personne, c'est sans importance. Pas le cas pour la morale. Pour la morale, une personne a une valeur infinie. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. On va dire une troisième et dernière chose. On va dire que les états moraux sont abusifs. Donc la morale, c'est pour les individus. L'État, il est amoral. Il est amoral, c'est-à-dire qu'il n'est pas concerné par la morale. Il peut faire des choses que la morale condamne, mais pour le bien de l'État. Donc en fait, la morale n'est pas compétente. Vous ne pouvez pas dire « Ah, Hollande, c'est un assassin ». Non, c'est un souverain qui a pris les décisions qui s'imposaient. Les états moraux sont abusifs. Pourquoi ils sont abusifs ? Parce qu'ils mettent leur nez dans ce qui concerne que les individus. Par exemple, les théocraties, par exemple, le communisme. Théocratie, communisme. La théocratie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle impose des croyances qui relèvent de l'espace privé, qui relèvent de l'individu. Il les impose aux individus. La théocratie impose des croyances aux individus. Donc, par exemple, en France, vous aviez des gens qui étaient des protestants, qui n'avaient pas les bonnes croyances, on les persécutait. Et ils se sont barrés. Les juifs, on les a persécutés, se sont barrés, pas tous. On avait encore quelques-uns à filer aux nazis. Bon, communisme, pareil, le communisme dit la morale, la propriété c'est immoral, donc on la supprime. Bon, pas ton affaire en fait. Communisme, persécution. Bon, ça va toujours avec la persécution. Donc c'est des millions de morts. L'État, de quoi il doit s'occuper ? Il doit s'occuper de l'ordre, c'est tout. Je suis protestant, je suis juif, je suis musulman, je suis bouddhiste, je vais dans un temple, je fais chez personne. Vous ne pouvez pas me persécuter pour un truc qui fait chez personne. Les états moraux, les états qui vont faire chier l'individu pour des valeurs morales, politiques, religieuses, c'est de la persécution, c'est de l'abus. Donc, conclusion, la morale n'est pas une compétence de l'État. Il peut y avoir des problèmes aussi. Merci, grand 2. Merci, grand 2. T'anticipes ? Bien sûr. On va dire oui, en fait oui. D'abord, la morale, elle n'est pas distincte de la sécurité. Grand 2. Et tu prends un très bon exemple. Un discours raciste, ça va avoir des conséquences dans la rue. Ça va avoir des conséquences dans les relations réelles entre les gens. Discours de haine. Les discours de haine, ça commence par des discours et ça finit par des pogroms. Ça finit par des agressions. Ça finit par des violences. Donc en fait, par une menace de la sécurité. Par une explosion du pays potentiel. Par une guerre civile. Les protestants, guerre civile. L'État, en fait, s'intéresse à la morale parce que le fondement de la sécurité, il est moral. C'est ce que dit Aristote. Aristote dit, un bon État, c'est un État où les gens, ils sont amis les uns des autres. Amis. Il faut qu'on soit amis. Et l'amitié, c'est moral. Donc, l'État peut pas... L'État, on remet pas en question le grand 1. Le cœur de l'État, c'est la sécurité. Mais il peut pas complètement se désintéresser de la morale. Ça va être ça, notre grand A du grand 2, si vous voulez. Il peut pas se désintéresser de la morale parce que
La morale, elle a un impact sur la sécurité. D'accord ? Si les gens ils sont racistes, ils vont commettre des actes racistes qui vont causer la violence. Si les gens sont intolérants, etc. etc. Si les gens ils disent « payez pas vos impôts hein », par exemple, hein, discours, « payez pas vos impôts », les gens ne vont pas payer leurs impôts, et donc les fonctions régaliennes de l'État vont être menacées si les gens arrêtent de payer leurs impôts, parce qu'il y a des discours, parce que... Bon. Donc, la morale intéresse la sécurité. Deuxièmement, le but ultime de l'État, c'est le bien. Et c'est pas seulement le bien-être. Le but ultime de l'État, c'est le bien, c'est pas seulement le bien-être. C'est pas seulement d'être riche et en paix. Le but de l'État, et c'est pour ça que l'éducation, tu as commencé par ça, Capucine, t'as dit, c'est apprendre. Le but de l'État, c'est d'améliorer les individus. C'est qu'on soit meilleur. Meilleur moralement, meilleur peut-être plus riche, meilleur plus intelligent, on est plus productif, mais surtout meilleur moralement, c'est ça le but de l'État. Et c'est pourquoi le véritable but de l'État, c'est de disparaître, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on serait tellement bon qu'on n'aurait plus besoin de police, on n'aurait plus besoin d'armée. Tellement bon qu'on n'aurait plus besoin de police, on n'aurait plus besoin d'armée, c'est un peu utopique, mais c'est un peu l'idée. Et c'est aussi l'idéal, bien sûr, cosmopolitique. C'est-à-dire de dire, en fait, cosmopolitisme, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a plus qu'un seul État. Il n'y a plus différents États qui risquent de se faire la guerre. C'est l'idéal de la SDN, Société des Nations, dans les années 20. C'est l'idéal de l'ONU, bien sûr, de dire, on va faire une fédération et la guerre sera bannie. Et c'est un peu ce qu'on espère en Europe. Hein, aujourd'hui, on se mord les doigts. En Europe, on a dit, il n'y aura plus la guerre, c'est fini. Hein, les conflits coloniaux, c'est fini. Les conflits nationaux, c'est fini. Les conflits idéologiques, c'est fini. La Russie a perdu. Plus besoin de faire la guerre. Donc on diminue nos armées, on diminue nos investissements dans les équipements militaires. Et aujourd'hui, on se dit, non, merde, en fait, on s'est trompé. Mais enfin, c'est quand même l'idéal. L'idéal cosmopolitique. Hein, donc il y a un idéal moral à l'État. Même si, on ne revient pas dessus, le cœur de l'État, c'est la sécurité. Et la morale peut conduire à des abus. Mais il y a une morale à l'horizon, si vous voulez. Ah, donc la conclusion, c'est la morale était la compétence de l'État, c'est un horizon. Ce n'est pas sa compétence première, mais c'est un horizon, c'est une direction. Donc autant l'État qui fait la morale est abusif, autant l'État qui ne vise pas la morale est cynique.